Du coup, nous voilà pour une petite découverte de démo de Steam. On va commencer avec The Explorator. On commence avec des trucs dont on a l'habitude. Des FPS. Et là, avec un style dessin très sympathique pour les ennemis. Mais on va voir de quoi il en retourne. Ah, déjà, si on n'est pas dedans là, direct. Un jeu d'action-aventure, avec des toilettes dans l'espace. The Explorator. Direction Ospolis. Moi, c'est trop choupi. Donc voilà, on joue une espèce de guilde d'explorateurs dessinée à la main qui se balade d'île en île pour cartographier tout ça. Mais bien sûr, la cartographie, ça va 5 minutes. On va aussi avoir les flingues. Ah oui, il y a des méchants. La musique et la cinématique fonctionnent vachement bien. Oh mon dieu, ils sont bleus. Les textures du bateau. C'est les pollux, comment ça va? Alors, tu as pu bien dormir? La nuit fut pas trop courte. Putain, ils ont tout donné dans cette cinématique, quoi. Ah, on va avoir une lampe torche, parce que beaucoup de zones d'Ospolis sont sombres. T'as fait un gros dodo et tu viens de te réveiller? Ah bah, j'imagine que c'était un gros dodo, oui. Bah, ça s'est bien passé, la découverte des jeux à 5 balles. C'était sympa. J'ai trouvé des trucs cool. Tout va bien. Je commence à avoir un peu peur, mais tout va bien. Donc, nous y voilà. Alors, la sensi, on va peut-être la changer. Là c'est mieux déjà. Alors on récupère le sac à dos. On est vraiment dans un double like hein. Ça s'en cache pas. On peut pas fouiller. Putain mais je connais, c'est Star Wars. Alors on a le coup de couteau. Mais la DA est beaucoup trop cool, quoi. Voilà. On a pris l'arme aussi ou pas? Merde. Oh putain, non, terrible. La souris se balade dans l'écran, quoi. C'est vraiment super chouette, ouais. Oh putain. Non mais... Attendez. Ma souris se balade en dehors de l'écran. Ça c'est juste du light ammo, on peut pas prendre leur mitraillette. Je suis extrêmement déçu. Par contre ça fonctionne beaucoup trop bien. Ok, on peut courir. Donc on peut récupérer des choses sur les cadavres. Ah mais c'est trop cool. Ah putain, bah ma souris. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais alors ça c'est terrible. J'ai la souris qui n'est pas lock sur mon écran de jeu. Uniquement le dernier qui était bien. Ah bah les jeux à 5 balles. Après ça dépend si tu comptes aussi les soldes quoi. Ok.
chercher le rab là-bas. On peut manger du pain ? Ready news. Ok. Je sais pas s'il va y avoir des petites salles secrètes et tout. Il y a des munitions qui se baladent. Faut vraiment que je fasse gaffe à ma souris. Hein. On aurait pu jouer à la manette, mais visiblement le contrôle des manettes est pas entièrement pris en charge, donc je me suis dit bon, on va jouer au clavier souris. Faut juste qu'on fasse un tour sur nous-mêmes avant d'engager l'ennemi, quoi. Histoire d'être sûr que le curseur de la souris soit bien à gauche et pas sur le deuxième écran. Ah non, ils ont tué, mais... Ah ! Je suis un explorateur, dégagez ! Je vois ma souris se balader sur l'autre écran, c'est un enfer. Les effets de lumière et tout, ça fonctionne bien. Donc du coup, certes, on est des pacifiques, enfin des explorateurs, aïe. On est des explorateurs, mais... visiblement, on a quand même envie de casser des gueules, quoi. On a un flingue. Et on n'hésitera pas à s'en servir. Tout va bien. C'est vraiment super chouette. Il y a une DA qui est fantastique. Je m'attendais vraiment pas à un truc aussi chouette. Puis la musique, elle donne tout, hein. C'est du pognon. Il y a des pacifiques, ce que j'entends depuis le début. La démo, mis à part la musique. Ne vous inquiétez pas, nous sommes venus ici en paix. Oh. Oh. Putain, mais... Ah. Attendez, je mangeais pas. Oh non, il y a des saves. Oh, c'est terrible. Et salut Furious, comment ça va? Putain, on n'a pas save. Oh. Le jeu, c'est écrit en gros sur le stream. Écoute, ça va bien. Je pense qu'attendez, on va essayer de relancer le jeu. Parce que la souris qui sort de l'écran, c'est pas possible. On va jamais y arriver. Mais écoute, ça va bien. Elle va toujours sortir. Genre si on essaie de le mettre en... Bordelais. Ouais, non, ça fout la merde. Qu'a pris le créateur du jeu? Bah rien. Ça va être un excellent Doom-like avec une très bonne DA. On a déjà fait bien pire. Ah putain, c'est terrible. On va pousser à la manette parce que sinon ça va être injouable. Est-ce qu'il va falloir... Oh, ça va être très compliqué. Ok, on va tenter avec ça. Ok, c'est bon. Il a pris du talent. Ah, clairement. Bon, par contre, forcément, pour courir, ça va. C'est juste la sensibilité qu'il faudrait que j'arrive à changer.
Ah, c'est terrible. Sensibilité mallette ne change pas. Bon, on va faire avec, hein. Un pour soigner. Ah, c'est Y pour sauter. On a des binoculars. Ah oui. C'est très utile. Sinon pour se soigner. Ah oui d'accord, il y a tout un équipement de fou quoi. Oh là là. Ok, c'est bon. On a trouvé pour se soigner, on y arrive. C'est juste pour se retourner, ça va être infernal. Bon, par contre l'armure, je sais pas trop à quoi ça correspond. On va aller chercher une munition qu'on avait vue là-bas. C'est là pour récupérer les trucs. Un manque cruel de mobilier qui se casse la gueule. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments destructibles. Hein. On enlève des points. C'est la règle. Ça répond beaucoup trop bien, quoi. C'est fou. Faut mettre un jeté, quoi. Mais visiblement, on peut pas le... On peut pas jouer avec quoi. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Et merde. Mais merde, non. Ah putain, j'ai bouffé tout mon pain. C'est bon, c'est fini. On est foutu. Donc il y a quand même des chemins différents, parce que là on a l'air de pouvoir monter, on était descendu tout à l'heure. Ah, qui te casse la gueule, sinon rien fait à Alan Wake, pardon. Regardez. Ils sont trop cool les personnages. Non c'est bon, moi j'en ai assez de me prendre des tonneaux dans la gueule. Cet enfer. Oh là là. Oh, oh le 36 tonnes quoi. Ok, on revient là. C'est ce qui me semblait. On a la melee weapon, ouais. Secondary. Le jeu a l'air d'être méga complet de ouf, quoi. Il y a d'avoir beaucoup trop de trucs. Pour sauter, c'est où déjà? C'est grec. Ah oui, le bread! Je vais prendre tout le bread. C'est une démo, ouais. Mais là, j'ai complet de fou juste avec la notion d'inventaire et tout, de qu'est-ce que le jeu va pouvoir nous donner plus tard, quoi, à faire. Là, est amour. Parce que je pense pas que la démo, en tout cas, je n'espère pas que la démo, ce soit comme Lies of P qui dure 3 heures, quoi. On va continuer de monter, je pense, ça me semble être la meilleure chose à faire. Et la musique me fait tellement penser à des musiques de l'épisode 1 de Star Wars. Cadavre, c'est des feuilles à 4. Bon, comme Doom. Hein. Aïe. Les ennemis, c'est des feuilles à 4. Mais. Putain. C'est bon, vous êtes calmés? Il est mort, il est pas juste blessé. On va se soigner. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ici? Je ne poserai pas la question de pourquoi il y a des toilettes dans la cabine de commandement, mais d'un autre côté,
Ça semble cohérent. Ça évite que le capitaine s'en aille trop loin, quoi. Mais il y a une protection value, ça me fume, quoi. Mais pardon, Pollux. Non, j'ai pas fait Forgive Me Father. J'ai vu que le 2 était sorti, j'ai vu que tu avais commencé à faire le premier. Et j'avais le jeu dans mon radar. Ça fait partie des FPS que j'ai envie de faire. J'ai une grosse liste de rétro FPS. Mais il y en a beaucoup trop. Bon, par contre, les loading screens sont un peu brutaux. Et en fait, il faudrait que je débranche mon deuxième écran pour réellement jouer au jeu correctement, quoi. Ils ont pas anticipé que des mecs allaient jouer au jeu avec deux écrans. Ok, petit village. Stylé. On peut nager. Un Doomlac d'exploration, quoi. Il y a un marchand. Oh là là! On a 327 de thunes. La vieille carabine. La light carabine. La submachine gun. Le shotgun. Bon, pour l'instant, on va... Comment on quitte? Viens d'avoir une quête. Explorateur vétéran. Bienvenue à Ostopolis, explorateur. Nous sommes ce qui reste de l'équipage. Alors on dirait qu'il y a un tunnel qui amène au centre de l'île à la fin de notre base. Où le grand bunker a été localisé. Ok, il va falloir s'équiper. Nanana. Ok, on va s'équiper avec le marchand avant d'y aller. Donc il va falloir traverser la base. Peut-être la base des méchants du coup, j'imagine. Tu penses acheter MGS3? Pas du tout. Parce que je l'ai déjà. Sur PS2. 250, on va peut-être pas s'acheter la vieille carabine ou la light carabine. Ah, est-ce qu'il nous faudrait pas un autre truc qui prend une autre munition? La vieille carabine, ce serait mieux, je pense. Il faut qu'on achète des balles, du coup. Ouais, le menu, c'est un peu pénible. Voilà, on va prendre juste ça, le soin, ça va. Ah, y a une gourde? Attendez, ça sert à quoi la gourde? 150 de stamina, non, ça va. Du coup... Merde, putain! Les armes à feu... Ouais, voilà, c'était comme ça. Du coup, moi, j'aimerais m'équiper... Voilà, du Main Weapon 1. D'accord, pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai la map? Ah oui, d'accord, attends. Là, voilà, merci. Ouais, c'est Alors. Ok. Ok. Les contrôles sont particuliers, mais bon. Ils sont d'abord basés sur les commandes PC, hein, ce qui est logique. L'OST de Sea Spacecraft and the Droid Battle pour l'OST. Droid Battle, ouais. C'est ça qu'elle me faisait penser. Pense tâcher MGS3. Bah écoute. Comme bon te semble. Je sais que la collection a l'air trop claquée. Ils ont fait un boulot beaucoup trop. Beaucoup trop dégueulasse. Que ce soit intéressant. Mais si t'as pas d'autres moyens de jouer à MGS3, oui, ça reste une possibilité qui n'est pas inenvisageable. La DA est très jolie. Ouais. La musique fonctionne bien et tout, franchement, c'est chouette. Et du coup, on va avoir toute une faune et tout un tas d'ennemis habitant sur l'île. Très différent. Ah oui, ah oui, d'accord, c'est notre barre de stamina, ça. Et du coup, pour la map. Ok, la map sert littéralement à rien. On est un explorateur, mais notre map est inutile. Ok. Oh, la musique! Snake Eater! Salut Tech, comment ça va? 20 balles pour MGS3, mais encore une fois, c'est moi le problème que j'ai avec cette rétro-collection, c'est qu'ils ont fait aucun taf. Donc ils méritent pas de l'argent. Parce que du coup, ça les encourage à continuer dans cette voie et à pas faire d'efforts.
Mais après, encore une fois, bah, si t'es fan du jeu et que du coup t'as pas de PC et t'as qu'un autre moyen de jouer MGS3, bah oui. Pas le choix. C'est juste qu'ils ont fait tellement un taf de merde que ben. Ça donne pas envie. Quand même reprendre le petit flingue, ouais. C'est pareil, les icônes, vu que c'est très bizarre de savoir qu'est-ce qu'on sélectionne, vu que ça. Merde. Ce décalage est vraiment très cool. Entre mettre une DA comme ça et faire un peu de flingue ultra réactif. Non, des fois j'ai l'impression de jouer à COD quoi, dans les gunfights. C'est parfait. Je vais take du bread. C'est trop beau hein. Ça c'est à mettre de côté ça. Ok. On a trouvé du soin. On va continuer d'explorer cette maison je pense. C'est pas comme si le jeu s'appelait Explorateur. Eh bien écoute, ça va très bien, merci. On finit d'une petite après-midi, là j'ai une petite après-midi libre jusqu'à 3h30-4h. J'ai mis quelques démos de côté. Donc on commence avec forcément un petit FPS. J'en ai un deuxième ensuite qui est un mode de Doom qu'ils ont sorti en alpha en jeu indépendant. Il n'y a rien qu'on testera, on va voir si on a le temps parce que là la démo elle a l'air, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire. Je sais pas combien de temps la démo va durer. Ensuite j'ai un petit jeu d'exploration chill dans un monde qui vénère les baleines. Et ensuite un MMO. Alors du coup c'est une démo mais d'un MMO je ne sais pas si ce sera en ligne. Mais en tout cas par les gars derrière Flower et Journey. Et pareil, la DA et l'ambiance m'a vendu du rêve, donc on va tester ça. J'ai fait Resident Evil 2 Remake, ouais. C'est un des premiers jeux que j'ai fait en stream. C'est grâce à ce jeu qu'on s'est connu avec Pollux. Ça, c'est beau. C'est le seul remake, non, parce que j'avais fait aussi le remake HD du premier, qui est pour moi un immanquable, et qui fait partie des meilleurs jeux vidéo à ce jour. On est vraiment sur une masterclass. Y'a rien à changer dans le remake du premier Resident Evil. Tout est à garder, juste avec le jeu, tu comprends pourquoi est-ce que Resident Evil est un classique du genre. Là où je trouve par exemple que Resident Evil 2, bah, c'est juste un jeu d'action. Dont la phase en. En commissariat reste la meilleure. Mais le reste j'ai trouvé ça, genre le labo et tout, c'était assez anecdotique. J'ai pas passé un mauvais moment hein, mais le commissariat était vraiment une masterclass de game design. On va tester un peu ça. On va sauvegarder aussi d'ailleurs. Parce que du coup, comme à l'ancienne, hein, c'est des sauvegardes manuelles, y a pas de checkpoint. Okay, on est dans une espèce de fonderie. Là où ils font les canons. Donc on est visiblement contre une société qui est plutôt belliqueuse. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Alors on est obligé de jouer à la manette parce que je joue avec deux écrans. Ok, il y a les grenadiers. Et du coup, la souris a tendance à se balader dans le deuxième écran, donc ça rend le jeu injouable, sauf que... Allez, le chat, ça marche bien. Sauf que du coup, il n'y a pas moyen de gérer la sensibilité de la manette. Donc ça rend le tout très compliqué, et très lent. Il y a quelques soucis au niveau des boucles musicales aussi. Hein. Ça, j'avais remarqué ça déjà dans le menu. Avant de lancer le stream. Il y a la musique qui boucle un peu brutalement. Mais bon, encore une fois, on est dans une démo. Hein. C'est juste pour présenter un concept. Et déjà, là, on est bien. Niveau gameplay et tout, ça fonctionne. Hein. A voir, du coup, bah, les mécaniques d'exploration, etc. De l'île. Est-ce qu'on va genre avoir un carnet? Est-ce qu'on va avoir des choses à l'intérieur, quoi? Qui
qui vont dynamiter le process et pourquoi est-ce que le jeu s'appelle Explorator. Par contre, il faudrait plutôt que j'aille par là-bas, non? Il faudrait plutôt traverser cette base. Je sais pas si on peut. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas gérer la sensibilité de la manette. Parce que là, c'est le seul truc qui fatigue un peu. C'est d'être aussi lent pour se tourner. Combien de polygones constitue le modèle de Solid Snake à 20 polygones près? J'en ai aucune idée. Ah non, on est d'accord que c'est pas par là. Est-ce qu'il y aurait genre une seule secrète par là? C'est pas une échelle ça? Mais oui! Let's go! C'est bon, ils ont mis des secrets partout. Là, ils en veulent, hein. Jump! Merde! Ouais, j'ai essayé, ça change pas. Malheureusement. Alors après, est-ce que si je mets genre off... C'est pas du tout un enfer. Je le vis très bien. Est-ce que si je change à fond comme ça... Et on est d'accord qu'il y a rien pour la... On va tenter comme ça... Ah, c'est mieux. C'est que ça le change, mais avec des pourcentages tout petit. Donc il faut vraiment changer à donf quoi. Là c'est presque trop sensible mais c'est bon, j'ai joué à code, je connais. Merci Pollux. C'est par là? Ah mais je suis pas allé, est-ce que je suis allé dans la salle? Oui je suis allé dans la salle, on les a tous tués là. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Y a pas d'autres trucs à ramasser. C'est vrai qu'il y a des endroits sombres mais je sais pas comment on allume la torche. Après, on a peut-être pas de torche avec nous aussi. Hein. Je crois que c'est elle. Ah si, on a la torche. On va peut-être la laisser allumer du coup. polygones. Ben, j'aurais jamais dit ça. On apprend tous les jours. Ça va être par là. Ah. Entrée d'une cave. Ah! De la faune locale. On va se soigner. Est-ce que c'est des... C'est bon, je suis... Putain, c'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop sensible. Non mais, change d'arme. Mais sors ton arme. Mais putain. Il veut plus sortir son arme. Il veut plus sortir son arme. Il veut plus attaquer. C'est la fin. Normalement on en a fait une juste avant, donc normalement ça devrait aller. On est là, donc parfait. C'est juste, ouais, c'est dommage par exemple qu'il y ait pas... qu'on soit obligé du coup de s'arrêter pour changer d'arme et qu'il n'y ait pas un fast... un bouton qui permet de changer d'arme rapidement. Du coup on va se re-soigner. Hop. On a dit qu'il fallait modifier un petit peu la sensi. On va y arriver. On va la mettre là, je pense. Parce qu'en visée, ça devient un calvaire. Bah, mais c'est fou, genre, y a pas d'entre-deux. Donc je pense qu'on peut dire sans se tromper que la faune est extrêmement hostile.
Il faut trop flipper en plus, putain. Quel est l'espace Metal Gear à 5 ans près? J'en ai aucune idée. Je n'ai aucune connaissance sur Metal Gear, donc ça risque d'être vite vu. On est venu m'agresser par là, par contre. Ça manquerait ouais, d'une minimap un peu plus claire, d'une boussole. En 90, d'accord. On va sauvegarder. Ils ont la radio. C'est giga grand quoi. Et ce passe Metal Gear Solid. Alors on va juste arrêter de faire des triades questions parce que je ne sais pas. Ça sert à rien de poser les questions. Tu veux juste remplir un wiki, rempli directement avec les réponses dans le chat, ça ira plus vite. Ils font quoi? Ils font une distillerie? Ça je veux bien prendre, ouais. Du pognon, des munitions. Salle de classe. On va profiter pour se soigner. D'un côté c'est cool d'avoir des niveaux aussi ouverts et c'est assez inattendu. Mais d'un autre côté ouais on est un peu perdu quoi. Parce qu'il est certainement le... De pseudo de Naked Snake. Je ne sais pas qui c'est. Genre la démo est finie, ça y est? Bah c'est peut-être une démo limitée dans le temps du coup. On a peut-être 30 minutes de démo. Et tout d'un coup, Avatar. Attends, mais si t'as des niveaux comme ça dans le jeu, mais c'est une folie, hein. Mais du coup, est-ce qu'il y a mon perso qui a l'air de d'avoir du mal à avancer derrière? Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez prévu d'avoir un jeu vidéo dans votre jeu vidéo? Bah écoutez, je pense que ce sera la fin de la démo. La fin de The Explorator. Mais pas très convaincu quoi. Ça a l'air trop cool. On va faire un petit tour sur la page Steam. The Explorator, si on a un peu d'infos, histoire de présenter le jeu. Mais vraiment, juste les décors, ils ont l'air complètement fous, quoi. Et du coup, vraiment, voilà, t'as toute une zone, t'as pas mal d'ennemis qui apparaissent, etc. Avec des trucs assez vénères, donc il y a l'air d'avoir une petite préparation d'exploration. Mais les décors et l'ambiance ont l'air trop... Mais de ouf. Donc si vous voulez vous faire plaisir, la démo est dispo. Putain ce bordel. Mais on n'a pas plus d'infos sur tout ça et sur le développement du jeu. En tout cas, ils se sont fait grave plaisir niveau décor et niveau ennemi. Ça a l'air vraiment trop chouette. Donc on verra si...
Le jeu sort un jour. Et en tout cas, on va surveiller ça avec attention. Du coup, des bisous YouTube. Prends soin de toi et à bientôt pour la suite.